Bon, allez, on continue. Coup de pub. C'est parti. Et on verra, peut-être avec un Je peu te de dirai chance. pas Il de te paraît en voir. plus que les. Reste pied au plancher pour pulvériser cet objectif de vitesse. Passe devant le radar. Super. Il paraît que les kilomètres ne sont comptés pas en balade libre. Ils sont pas comptés en balade libre, uniquement en course. Donc. Et donc pour les trésors de grange, il y en a un qui se débloquerait en allant multijoueur et en revenant en solo après, en remontant le jeu éventuellement. Bon, j'ai essayé, on verra ce que ça donne, mais. Combien? 288? Ça va, ça passe. Ça passe, ça passe. Le record a été battu. C'était pas loin. Bien joué. Enfin, le 3 2018, c'était même pas un trailer. C'était pas du in-game pour aller en finit, hein, le 3 2018. C'était même pas le moteur du jeu, c'était rien du tout, je crois. Après, par contre, là, ils ont une grosse pression, c'est que quand le jeu va être remontré, les gens. La voiture et le décor doivent Ouais, être dans d'accord. le Les cadre. gens ne vont Comme pas hésiter d'habitude, à je ne faire suis des pas réactif. comparatifs avant-après. Et il y a intérêt d'avoir du changement, quoi. Après, de toute façon, Halo, moi, je trouve que c'est une série qui vieillit énormément, qui vieillit assez mal. Et je pense qu'il faudrait leur donner un gros coup de jeune, il faudrait faire quelque chose, quoi. Apparemment, ce nouveau Halo, ce n'est pas un reboot, hein. Ça repart au niveau des bases, mais c'est la suite, hein. Tournez à gauche. C'est bien la suite. Donc c'est pas un reboot ton père. Hein. Avec visiblement un open world, etc. Merde! Ouais, j'ai oublié les dégâts. Ouais, tant pis. Allez, chier. C'est bon, les dégâts, j'en ai déjà plein le cul avec Test Drive. C'est pas pour en avoir dans Forza Horizon. Hein. Tac, mode photo, tac. Ça me convient. En fait, c'est parfait. Pense que Series devrait sortir cette fin d'année. Bah, s'il n'y a pas d'autres jeux, non. S'il n'y a pas d'autres jeux, j'ai envie de dire que non. Mais je pense que c'est inévitable maintenant que la série X, elle sorte. Parce que si la PlayStation 5 elle sort avec des grosses exclus, tout le monde va se jeter sur la PS5 et l'Xbox n'aura plus rien. Elle aura plus que les fans et encore. Donc elle n'a pas le choix de sortir cette année. La PS5 normalement sort Ne aussi traîne cette année. pas, on va voir ce que tu veux. Par contre, il y a de plus en plus de rumeurs qui disent qu'elle sera à 400 la Xbox et la PS5 400 pour la version digitale, 500 pour la version avec CD, avec lecteur CD. Putain, mais pourquoi est-ce que ma voiture elle ne drifte pas? C'est des veaux que j'ai, qu'est-ce qui se passe? Oui, allez, on s'en fout de ta tronche, c'est bon. Ah d'accord, le frein à main là, t'en avais rien à secouer, d'accord. Tu sais de le dire. Ah bon, multiplicateur est parti dans les chiottes, d'accord.
Allez, on arrête là, ça me saoule. Allez, bouffe le compteur. Ah, faut que j'ai... Ah, j'ai jusqu'à la fin du temps. Oh, fait chier. Oh, j'ai cru que ça s'arrêtait dès que j'avais le point. C'est vrai que ça avait fait ça avec la Corvette et j'ai fallu aller au bout. Magnifique. Non, Microsoft, toutes les cartes en main, non. Je ne crois pas. Enfin, c'est pas une question, est-ce qu'il a les cartes en main, c'est est-ce que là il va cartonner. Et là, est-ce qu'ils vont cartonner Microsoft, là pour l'instant, c'est très... C'est difficile à dire. Hein. Alors, on va aller à une autre plateforme qu'on n'a pas fini. Allez hop, celle-là sera parfait. On va changer de bagnole même. Je pense qu'Xbox là, ils avaient cartonné au début et ils se sont mais... Ils se sont mis une balle dans le pied tout seul. Et ça c'est vraiment dommage. Ils ont vraiment fait une conférence qui était pas si terrible que ça, enfin qui était vraiment pas terrible, y'a rien à dire. Y'a rien à dire, on peut pas leur enlever ça, à côté de PlayStation, ils ont fait beaucoup mieux l'autre fois. Waouh, pourquoi elle part à gauche? Alors, oui d'accord, une voiture comme par hasard, mais... Pourquoi tu driftes pas en fait? Bon bah elle drifte pas le B110, ça m'étonne. Le compteur pour le faire monter jusqu'au-dessus, mais... Si c'est ça pour débloquer la grange, je suis pas arrivé, moi. Et je suis pas sûr que je vais y arriver un jour. What the fuck? J'ai perdu le contrôle! Mais putain, mais... Oh là là, mais le contrôle de Forza Horizon 1 n'a vraiment rien à voir avec le 2. Ah ouais, il sera plus dispo Forza Horizon 3, merde. Oh la vache, mais c'est incroyable. Ça veut dire que c'est un jeu qui n'entrera encore pas dans le Game Pass. Forza Horizon 2 et 3 ne sont pas dans le Game Pass et... Ça veut bien dire qu'il y a des chances que... Ils ne rejoignent jamais s'il est plus dispo à l'achat. Putain, mais j'arrive pas à tourner, hein. C'est incroyable. Hein. C'est incroyable, je n'arrive pas à esquiver ces putains de bagnoles. Et boum. Non, même pas. Oh putain, bâtard. Coup de pub. Tiens, la Ascari, c'est pas celle que j'ai pris dans Test Drive. Si, sauf que là, c'est la version sport. Course.
excellent ça. Belle pointe de vue. Oh, c'est largement. Assez rapide. Ouais, peut-être qu'il sera dans le gold, ouais. Peut-être qu'il sera dans le gold, mais du coup, il ne sera pas dans le... Il ne sera pas dans le Game Pass, c'est assez curieux. On se demandait donc, comme je disais, si les anciens jeux allaient rejoindre le Game Pass, et ben, on voit que non. On voit que non. C'est dommage. Ça aurait pu être cool d'avoir tous les jeux exclusifs Xbox, notamment tous les Forza, dans le Game Pass. Il nous faut une belle photo de cette voiture. Rends-toi à la séance photo et ramène-moi un cliché de la voiture et du paysage. Mais vas-y mollo, les photos d'accident ne m'intéressent pas. Ah, là j'ai frôlé une bagnole à 3 cm. Mon compteur n'en a rien eu à foutre. C'est intéressant. Oh là là, mais. Mais le mec, il prend toute la piste, je le frotte à peine et je prends des points de dégâts, mais. Allez, va te manger la barrière. Vas-y, vas-y, fais-toi plaisir. Ah, ça commence à me gaver, j'en ai marre. J'en ai marre, ça me rappelle trop Test Drive et ça me saoule. Ça me saoule, je fais exactement la même chose que Test Drive là, éviter leurs conneries. Alors j'ai pas de dégâts activés, mais là il sera actif dans ces modes, d'accord. Bah c'est ce que je me dis aussi, peut-être à cause des droits. Hein. C'est peut-être pour ça que les Need for Speed et autres jeux de voiture ne sont pas rétro-compatibles, hein. Il n'y en a pas beaucoup. Hein. Tu regardes les jeux 360, il n'y a pas de PGR, il n'y a pas Need for Speed, il n'y a pas de Test Drive. Il y a quand même très peu de jeux de course qui ont été rétro-compatibles. Il y a les grids quand même. Va te faire foutre. Non, va te faire foutre, j'en ai marre. J'en ai marre, qu'est-ce que tu fais? Arrêtez au milieu de la route. Il n'y a aucune raison. Putain, ça m'énerve, c'est les bottes de Test Drive, là. Ça commence de me gaver. Ça va être des habitants d'Hawaï qui sont venus là. C'est incroyable, les mecs sont arrêtés au milieu de la route, quoi. Il y a une route, il n'y a pas de truc, il n'y a rien, mais non, ils sont arrêtés au milieu. C'est jamais, hein, des fois qu'il y a un lapin qui traverse. Tu vas me taper des bornes pour aller faire une photo. Bon, au moins ça fait conduire un petit peu toutes les bagnoles, mais bon. Le fun revient. Non mais j'ai tellement joué à Test Drive, j'en ai tellement plein le cul là que ça y ressemble tellement là de faire ça que là ça me broute direct quoi. C'est quoi, c'est ça qu'il faut prendre? Si tu le dis. J'ai fait une photo au pif. Si ça te convient, tant mieux. Bon alors, t'as épuisé tous tes sujets, Cookie? Que tu voulais discuter? Allez, le dernier coup de pub. Après, on passe à un autre. Yeah.
Hey, écoute, la presse a hâte de te voir, et moi aussi. On veut tous admirer tes prouesses. Mais non, mais tu... Mais non, mais tu... Ouais, c'est ce que je disais tout à l'heure, c'était novembre. Moi, hein. Bon, ça va être la même date que la rumeur, hein. Ça va être le 20 novembre, hein, tu vois. Ouais. Putain, mais c'est pas possible, elle ne glisse pas comme d'habitude. Des fois elle part tout droit, des fois elle part pas tout droit, putain, fais chier. En 2021 voire 2022, ah oui, t'es pas pressé. Mais moi non plus en même temps. Je suis pas spécialement pressé d'acheter une console qui a pas de jeu exclusif. Et puis j'ai pas beaucoup de pognon, putain, j'en ai marre de me bouffer les murs. Oh, ce que j'en ai marre ce soir, mais... Je sais pas si c'est d'avoir joué à Test Drive avant qui me gonfle, mais... Allez, encaisse-moi! Voilà, c'est bien. Comme ça, le défi est terminé, puis après, je peux continuer de faire mes muses. Ah, d'accord, là, tu m'as encaissé. D'accord, j'arrête pas de faire des dérapages, des frôlements, des drifts, des burns, tout ce que tu veux et. Et le machin, il arrive pas à continuer mon compteur à la con, là. Putain. Il y a des moments, tu comptes vraiment ce que t'as envie, le jeu. Hein. Tu comptes vraiment ce que t'as envie. Hein. C'était carrément génial. C'est impressionnant. J'ai jamais vu un pilotage pareil, sauf dans mes rêves. Ah ouais, non, mais TDU, il m'a un peu gonflé juste après, moi. Bon, j'ai bien avancé, mais il m'a gonflé. Je peux plus le voir, TDU. Je peux plus le voir, j'ai qu'une envie, c'est de le terminer puis qu'il dégage. C'est pour ça que je me suis collé dessus cet après-midi pour essayer d'avancer à max. J'ai bien avancé, mais il y a encore un petit peu de taf. Alors, celui-là, c'est fait. Celui-là, c'est fait. Celui-là, c'est fait. Celui-là, je crois, c'est commencé. Oui, tiens, c'est parfait. La conduite, je sais pas si c'est d'être sur One ou quoi, mais je n'arrive pas à diriger ma bagnole. C'est soit elle tourne trop, soit elle tourne pas assez. Il y a une espèce d'inertie, elle part complètement dans le décor, ce qui n'est pas sur Forza Horizon 2.
D'accord, le compteur. Le compteur va te faire voir. Il n'a pas continué de compter. Qu'est-ce que j'avais déjà fait? J'avais déjà fait le photoshoot. D'accord. Cette sensation de non-fun et de sentir obligé de finir le jeu qui m'énerve. Ouais, oh. Ah, la Venom. La NSI. Oh putain! Non, 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 change-moi de musique. C'est bon? C'est la musique de blocage de vidéo, ça, c'est abusé. J'adore cette musique, mais malheureusement... Tu peux arrêter de drifter, merci. Eh super, 3 km/h, ça c'est la petite insulte sur le gâteau, ça c'est magnifique. Dommage. Bon allez, j'ai fait trop de drift, l'intérêt c'était de faire une vitesse. Puis alors, les voitures haute catégorie, mais c'est immonde à jouer dans ce jeu. Bon, puis tu m'as dit que j'avais oublié de dire des trucs dans Test Drive. Qu'est-ce que j'ai oublié de dire? Je suis en train de tourner depuis 20 minutes, mais... Tu peux arrêter de drifter, s'il te plaît, la voiture? Tu veux pas, d'accord. Tu veux pas. Épuiser tes sujets de discussion. Elles sont vraiment immondes à conduire dans ce jeu, les voitures à haute performance. Sans les aides, c'est infernal. Tu peux pas accélérer sans que ça parte en drift en ligne droite. C'est aberrant. Allez, tiens, mange-toi ça et ça dégage. L'IA qui te fonce dedans dès que t'arrives. Si, je l'ai dit. Si, je l'ai dit. Le ciel blanc, oui, c'est vrai. C'est vrai que le ciel dégueulasse, mais il est pas toujours blanc. Cet après-midi, j'ai eu du ciel bleu. Moi je dis plutôt le ciel blanc, les véhicules civils et autres qui se confondent avec le ciel. Que des fois tu les vois même pas avec leur phare à la con là. Tu étais capable de prouesses extraordinaires. Les spectateurs s'attendent. Va les impressionner. Ah merde, c'est un score d'objectif. Compteur qui se barre, mais...
Eh, 3 fois 4, 12, ça passe. On va essayer de continuer sans se manger de mur pour faire monter notre score. Et, putain, la vache, elle a plus de patate la caisse. Super spectacle aujourd'hui, t'as tout déchiré. Le décalage lorsque tu fais les courses où il faut attendre une atteindre une certaine vitesse. Ah, tu veux dire les prises de radar? En fait, j'ai trouvé un truc pas trop con, je me demandais si c'était pas un... comme dans la réalité, une marge d'erreur. Ils avaient plus ou moins inclus dedans, qui sait, hein, ils en sont capables. Bon, ça c'est bon. Qu'est-ce que j'ai pas fait? Celui-là, j'ai dit qu'il était fait. Ah, celui-là, il est pas fait. Il est fait. Il est fait. Ah, il est pas fait, celui-là en bas. Je vais peut-être commencer par celui du bas. Ça me fera faire un peu de route. D'accord. Ah, t'as pas voulu mettre la marche arrière, c'est étonnant. Parce qu'on voyait les phares. Hein. Super, super. La direction de merde est de retour. Nickel. Croiser une voiture, un adversaire, ça fait pas gagner de points. D'accord, on va aller te faire voir. On va aller faire les coups de pub et puis c'est tout. J'ai trop de mauvaises ondes de test drive là pour m'amuser. Je sais pas après ce que je fais. Si je pars sur Lonely Mountain pour essayer de le finir. Je suis pas encore. Ma station, ma musique. Pas tard à y aller, ouais, je me doute. Je sais pas si je vais jouer très tard ce soir, je vais peut-être m'accorder un break. Et puis peut-être demain jouer un peu plus. Je sais pas si je vais retourner sur Test Drive ce soir ou pas. J'ai pas très envie, mais après faudra bien le finir donc. À droite.
possible. À 400 mètres, vous arriverez à destination. Le bateau sera là pour tenir compagnie. Merde! Ouais, c'est clair. Après, je t'ai dit, une fois qu'il sera fini, il sera fini. Je crois qu'il me reste dans TDU... Il me reste... Ah, il n'y a pas deux entrées, là, d'accord. Il me reste 16 convoyeurs de voitures. Et je crois... 28 coursiers, quand même. Donc il y a encore du taf, hein. Ok les amis, je dois vous dire qu'Horizon n'est pas responsable des courses qui se déroulent en dehors du festival. Donc si vous êtes du côté de l'antenne relais de Clifton Valley... Alors, coup de pub, c'est parti. À Horizon, tout se résume à la vitesse. Montre-nous à quelle vitesse tu peux passer devant le radar et tu commenceras à te faire un nom. Va falloir que je fasse aussi ma vidéo, ma tier list. Je sais pas si je la fais en direct, ma tier list ou pas. Qu'est-ce que vous en pensez, direct ou pas direct ? Et je garde tous mes jeux dans la même tier list ou j'en fais plusieurs ? Un break quand j'ai un breakpoint. Ah, breakpoint, bof, bof, bof. J'aime pas trop ce délire de drone, futuriste. Ce serait pas mal en direct. Tous les jeux en une, ça va être dur. Bon, c'est faisable, hein, c'est faisable. Tu sais, il y a des jeux, ça va aller vite, hein. C'est une tier list, hein. L'intérêt, c'est pas de montrer du gameplay puis de s'étendre sur tout ce que c'est. Hein. Une fois sur place, prends la plus belle photo possible. Suis les instructions pour la rendre intéressante. Donc vous préféreriez que je la fasse en direct. J'ai fait une connerie. Après ça va dépendre de chacun. Il y en a qui vont pas avoir les mêmes avis que d'autres. Va te faire voir, bordel, la cul de... Me faire des conneries. Oui, j'adore ça. Je suis très doué pour ça. Je suis très doué. Ah, tous les phares sont foutus. Super. Ouais, oh. Je l'ai pris de derrière, ça va très bien. Quand tu vas dans le sub, tu ne perds pas de points. Bah si, là si. Là si. Là justement si. Gallardo. Gallardo avec des points de drift. C'était un peu lourd quand même, hein, ça, d'enchaîner des coups de pub. C'est
Si je fais la vidéo ce soir, comme ça Cookie il va pas se coucher. Pourquoi 100 points alors que je viens d'avoir un 8000 d'affiché à l'écran? Il y a un truc que j'ai pas lu? Ah, 15000. D'accord. Un petit bug. D'accord, là le frein à main, le drift, le burn-out, t'en as rien à foutre, ok. Comme d'habitude. Bon, j'ai les points, c'est ce qui compte. T'as une idée ce soir, ouais, je sais comment te retenir. Hein. Ou alors faut que je commence un jeu que t'aimerais bien voir, je sais pas, un Need for Speed ou... Mon sens est bien extra. Comme la ça. Prochaine fois, je veux monter avec toi. Bon après, t'as de la veine, je mets tout sur YouTube moins de 24 heures après, donc... Si tu loupes, tu paierais dès demain matin. Bon, ça c'est fait. Je vais changer de caisse parce qu'elle me plaît pas du tout celle-là. Ouais, je gagne quelques points, mais... On va voir, je vais faire un peu de route, là, on va voir s'il finit par me la sortir, mais j'ai l'impression que non. Hein. Après, je voulais faire les coups de pub pour les vidéos aussi, mais... Je crois qu'il me reste plus que 3 hein, de coups de pub, c'est ça. C'est toujours chiant pour s'y retrouver, profil. Ouais, c'est ça, il m'en reste 3. Et trésor de grange, je peux aller me faire cuire un œuf. Je suis la moitié au moins, même pas, c'est dans ma barre de stream, je vois rien. Oh la vache. Ici Oli pour de la musique. Je suis même pas la moitié. Oh. Une émission très drôle et Horizon a la chance d'accueillir cette année son présentateur Duke McGuire. Il sera parmi les pilotes et parmi les auditeurs, j'espère. Salut Takumi, ça fait longtemps. Oula. Non, pas dedans le mur. C'était pas loin.
82 000 points. Youpla. Ça va pas m'emmener très haut, je crois, sur la barre, mais... C'est infernal le nombre de points qu'il faut pour atteindre le haut. Oh là là, j'avais même pas fait atteindre la moitié. Je viens de passer console à PC Gamer. Eh ben... Espèce de lâche. Ça va foutre un peu le tournis, non ? Ah, 1000 balles un PC, il y a encore plus cher. Hein. Non, bah moi, déjà oui, je reste sur console. Si j'achète un PC pour streamer, c'est 300 euros max. Hein. L'intérêt, c'est juste de streamer, donc il n'y a pas besoin d'un gros PC. Hein. C'est incroyable, ces grands, je ne veulent pas tomber. Hein. Vous êtes vraiment des gros chiens. Hein. Eh hey merde, j'ai perdu mes points la con. Quand tu fais tourner n'importe quel jeu en 1440, c'est vrai ? Ouais, mais pour combien de temps ? Pour combien de temps tu vas faire tourner tes jeux en 1440 fois ? C'est ça aussi qu'il faut voir. Hein. Allez, c'est parti. Les trois derniers, puis on verra si ça débloque quelque chose. Sinon, basta, terminé, au revoir. J'ai autre chose à faire que de rincer un vieux jeu que j'ai déjà terminé. Pour débloquer deux conneries de grange, pour débloquer une Aston Martin DBR1 et une Ferrari 250 Testarossa, d'accord. Je vais à gauche, hein, merci. D'accord. Alors elle ne drifte pas. Le frein à main, elle part pas du tout tout droit. Par contre, les têtes à queue en burn, ça elle connaît. Vous êtes 0,4 km/h. Ah oui, d'accord.
Ah oui, là on est précis, là, d'accord. Ah oui, c'est carrément pour jouer assez tôt, donc volant et tout, d'accord. Là, c'est un autre délire. D'accord. Faut que je fasse 225. Ah ouais, faut quand même vachement tracer. Hein. Vous êtes des sacrés bâtards de mettre des virages aussi serrés, de la circulation à mort. Je peux pas. La seule voiture où faut qu'il n'y ait pas. Le seul endroit où faut qu'il n'y ait pas de bagnole, il y a une bagnole. Donc c'est mort. Bah si, tu peux jouer sur la TV, Cookie. Il suffit de le brancher en HDMI sur ta télé, puis c'est bon. Hein. Et c'est ce que je ferai avec mon PC, si j'ai un PC pour streamer. Je vais le brancher en HDMI. Il n'y a pas de souci avec ça. Hein. À une époque, les PC, on pouvait pas les brancher en HDMI, mais maintenant, oui. Tout dépend de la carte graphique, je pense. Je sais pas si ça se fait encore. Autre chose qu'HDMI, d'ailleurs. Peut-être que non. Hein. Mais bien sûr, une bagnole là, j'adore. Mais ouais, mais on peut pas faire ça, les mecs. On ne peut pas. La voiture, elle ne tient pas la route. Il y a des bosses partout, c'est pas fait pour ça non plus. Il y a de la circulation au large. Qu'est-ce que vous voulez que je fasse? C'est très rigolo, mais il y a un moment, quand tu fais 30 coups de pub en 10 minutes parce que c'est hyper simple, et que tu tombes sur un coup de pub totalement craqué, c'est abusé, quoi. Putain, mais il n'y a que des virages, là-bas. Des virages, des bus et de la circulation, tout ce qu'il faut pas. Ben voyons. Ouais, ça passe. J'ai le cœur qui bat encore à fond. La prochaine fois, je pourrais monter à côté de toi. Oh, je suis nul aussi, t'inquiète pas, Cookie. Ne t'inquiète pas, tu n'es pas le seul à être nul en PC. Bon, une photo, et puis un coup de drift, et puis s'en vont. Ouais, bah c'est pas la fête. Hein. J'ai entré l'emplacement de la séance photo dans ton GPS. Vas-y et prends un magnifique cliché sans abîmer la voiture. C'est pas mon genre d'abîmer les voitures. Mais c'est pas possible! Ce n'est pas possible! Ce n'est pas possible! Ah, faut le construire soi-même le PC. C'est beaucoup mieux. Après, tu peux peut-être en acheter des construits, mais sur des sites spécialisés. Hein. Pas à Carrefour ou autre. Hein.
droite. À 200 mètres, tournez à droite. Tournez à droite. À 100 mètres, vous arriverez à destination. J'ignore si la perfection existe, mais c'est parfait. Bon, après, tu peux le construire toi-même, hein, mais il y a peut-être des sites, si tu veux, qui te vendent tous les composants, puis tu les montes. C'est pas très compliqué. Hein. Mais c'est peut-être mieux d'acheter une config déjà réfléchie. Parce que si t'achètes les pièces séparément, bon, il y a des fois, on sait jamais. Faire gaffe où tu commandes, quoi. Bon, bah coup de pub terminé. Ah non, merde, il m'en reste un. J'avais oublié. Les drifts en Camaro. T'as compris ? Il nous faut des clichés en pleine action pour le web. D'accord, j'ai déjà pété le score, ok. J'arrive pas à raser les voitures, je suis à deux doigts de les toucher. Non, ces putains de granges, il veut pas me les sortir, ça m'énerve. On va voir là en ayant fini les coups de pub, mais. Mec, je suis en train de faire un burn, un drift, un demi-tour 180, voire un 360 degrés. Non, non, le compteur, il laisse tomber. Je sais pas ce que tu peux compter d'autre, hein. Au moins. Faut une sacrée dose de talent pour gagner comme ça. Bon, là, coup de pub terminé cette fois. Et j'imagine toujours pas une grange. C'est quand même dingue, hein. C'est quand même dingue, c'est que personne ne sait quand est-ce qu'elle se débloque. Hein. J'ai trouvé des mecs qui ont trois parties, qui avaient trois parties en même temps à l'époque de Forza Horizon 3 encore. Hein. Même pas à l'époque du 1, hein, parce qu'il y a eu des mecs qui ont posté dans le forum des mauvais messages. Et ils savent toujours pas. Hein. Ben je ne sais pas.